Ça vous dit qu'on parle de salarié expérimenté ? Ça tombe bien, puisque la DRH d'Isoscale, Angélique Bordas, a accepté que je l'interviewe. Tu es DRH d'Isoscale, est-ce que tu peux nous parler de salarié expérimenté, puisqu'on en parle beaucoup actuellement ? Le sens de salarié expérimenté, ça ne veut pas dire que c'est lié à l'âge, c'est très important. C'est plutôt qu'il a un certain nombre d'années d'expérience. D'accord. C'est ça qui est important à savoir. Combien d'années d'expérience à peu près pour être considéré comme... Au moins une dizaine d'années d'expérience. Une dizaine d'années. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences justement dans le recrutement de salariés expérimentés versus des salariés justement sans trop d'expérience ? Oui, bien évidemment. Pour moi, d'ailleurs, lorsqu'on onboard un salarié, quel que soit l'âge, le profil, l'expérience, le métier, ça doit être un onboarding individualisé. Ouais. C'est des profils qui ont eu l'habitude de faire un certain nombre d'entreprises. Mmh. Donc, ils ont besoin d'une certaine stabilité, d'une vision à long terme. D'accord. Donc, le discours ne va pas être le même que des jeunes profils. Les jeunes profils, par exemple, on leur propose un CDI, ils ont l'impression d'être en prison. Ouais. Voilà, pour dire. Alors qu'un profil plutôt expérimenté, lui, va vouloir avoir une vision à long terme. Qu'est-ce que l'on fait pour développer ses compétences ? D'accord. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour développer leur employabilité ? En général, ils se projettent davantage que des profils Exactement. Qui sortent d'école, par exemple, Exactement ça. Comment je me sens dans l'entreprise ? Quelles sont les valeurs de l'entreprise ? En gros, est-ce que mes valeurs personnelles sont alignées avec les valeurs de l'entreprise ? Oui, c'est ça l'objectif même. Ouais. Voilà. Ok, c'est un vrai sujet positif en fait. Ah, complètement. Trop cool, on va rester là-dessus. Merci beaucoup Angélique. Pas de rien, avec grand plaisir. Merci Guillaume. Merci. Pour aller plus loin et couvrir tous les sujets relatifs aux salariés expérimentés, rendez-vous sur le site de l'ANDRH.